Bon matin, on est mardi, le 12 octobre. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va bien. La routine qui recommence ce matin. Lucas, il vient de partir. Mon chum aussi il vient de partir au travail. Katia est dans le bain. Elle est heureuse, elle tremble dans le bain. Mais un matin, des gars de pipi sur la banquette. Tu voyais ça tout couler avec la flaque d'eau à terre. Fait que là, ben, nettoyer ça. Puis là, je suis rendue là. Je l'enverrai pas dans son lit parce que, tu sais, en s'accouchant dans son lit, elle est mouillée. Puis que là, ça mouille ses draps parce que ses draps étaient corrects. Je vais l'envoyer tremper dans le bain. Fait que là, si elle tremble dans le bain, elle est heureuse. Mais elle a bien mangé, bien pris ses médicaments, ça n'a pas de sens. C'est vraiment le fun, comment ça va bien pour ça. Puis Lucky, lui, il a vomi un matin sur le tapis. Fait que c'était du ramassage de dégâts ce matin. Mais avec la petite balieuse qu'on a achetée, ça va bien. Puis l'autre, là, comment j'appelle, la genre de... Ben, la mop, là, ça va bien aussi ramasser des cas vite fait, là, je vais vous montrer. Dans le fond, ça, la mop Vivelda. C'est que le produit, l'eau avec le produit est là-dedans. Puis là, tu t'envoies le spray, puis là, tu nettoies avec l'éponge, dans le fond, là. Je trouve que ça va vraiment bien, ça. Fait que c'est ça, quand Katia a fait pipi vite fait, j'ai l'éponge avec le plus gros avec un torchon. Puis après ça, ben là, je les ai faites avec ça. Ça va vraiment bien. C'est vite fait. T'as déjà l'eau à porter. J'aime vraiment ça pour ça. Là, qui justement, a été malade ici. Bon, moi, un peu de jambes encore. On dirait, il va falloir que je repasse pour moi, ouais. C'est déjà moins pire. Il va falloir que j'en repasse une deuxième fois, je pense. Cette petite machine-là qu'on avait acheté Bissell au Walmart. Ça, on avait payé 100 pièces, mais je suis plus sûre. Là, tu mets le produit là-dedans. Mais tu mets même pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, là. Puis c'est avec ah, regardez, on a lavé le tapis. Gardez l'eau comme elle est sale, pour vrai, là. C'est dégueu, là. Oui, t'es belle. Oui, t'es belle. Oh. T'es belle! Tu danses pas, matin? Tu danses pas? T'es belle, ma fille! Ouais, quand tout est prêt, elle attend voir si son taxi est arrivé. Il s'en vient, je pense, bébé. Non, il s'en vient pas. Elle est dans les marches. T'es adorable, ma fille. Tu sais que maman t'aime fort, hein? Ouais, la petite choupette. Hein, voyons, y arrives-tu? On dirait ça qu'elle se dit, elle est drôle. Voyons, y arrives-tu? Hein? Ouais. Ah, ça en vient. Ouais. Ok, il est arrivé, Katia. Vas-y. Il est arrivé. Tu l'as pas entendu? Viens. Yeah. Il est là. Viens, yeah, on sort. Viens. Yeah. Il est temps. Ouais. Bravo. Ouf. L'avant-midi, elle passe vite. Je me sens submergée. T'sais, en fait, cette semaine, je me l'ai coulée plus douce. Hein? Fait que là, j'étais envahie de lavage, de pliage, de serrage avec ma... En tout cas, là, j'ai fait ça, puis aussi, je me suis lavé les cheveux, on restait à les arranger un petit peu. Je vais vider mon lave-vaisselle, je vais faire le bébé à Katia, passer bien dans sa chambre. Là, pour dîner, je vais essayer de faire une soupe aux légumes avec des petites quiches Lorraine qu'on a achetées au Costco. Ça va être ça, le dîner, puis il nous reste la tarte aux pommes, fait que ça va être pas pire comme dîner. Là, il va falloir que je suis partie dans pas long, parce que... de 11h-20, ouais. Ouais, mon chum vient dîner vers 11h30. Fait que la soupe, elle est peut-être cuite pis tout, fait que je vais partir ça de ce pas. Dans le fond, pour dîner, c'est ça qu'on va manger, des mini-quiches. Je vais essayer de faire des 4 sortes différentes, dans le fond. Fait que je vais faire ça avec de la soupe. Bon, fait que là, ça, j'ai fait ma soupe. Pas compliqué, une canne de soupe légumes. Une enveloppe de soupe lipton. Un peu de macaroni. J'ai mis de l'oignon rouge. J'ai coupé une carotte. Puis, j'ai mis des morceaux de tomate. Puis après ça, j'ai mis du sel du poivre. Là, je vais laisser chauffer ça. On va voir ce que ça va donner. D'habitude, c'est mon chum qui fait la soupe aux légumes. Je sais pas si ça va coûter comme mon chum, en tout cas. Je suis allée sur l'inspiration du moment. Là, mes petites quiches que je vais mettre au four. Fait que là, j'ai 2 épinards, 3 fromages, légumes. L'autre sorte, c'est quoi, donc? J'ai, dans le fond... 3 fromages, légumes, épinards, fromage suisse bacon.
En fait, vous ici, regardez, j'ai trois fromages, légumes, épinards et oignons sautés, puis fromage suisse et bacon. C'est les quatre sortes. Bon, mon dîner est prêt. Puis là, je vais t'avoir un appel de la plainte. Tu sais, pour le chèque emploi-service. Ben, c'est ça, ce monsieur qui s'occupait du dossier, il a une réponse. Puis il veut me rencontrer demain pour venir me le dire. Puis là, ben, tu sais, j'ai posé, demander si c'était positif ou négatif, puis tout ça, là, je sais pas quoi penser. Ça était quand même vite parce qu'il me donnait jusqu'au 6 novembre pour me donner une réponse. Fait que là, je l'ai déjà aujourd'hui, le 12 octobre. Et là, j'étais un petit peu stressée. Puis, avant qu'il appelle, j'avais le temps de m'arranger un peu. Puis j'avais mis mes bijoux que j'avais acheté. J'en coûte, je pense, sur Apple, j'ai payé 3$ avec les boucles d'oreilles. Je sais pas si avec les petites boucles d'oreilles. Fait que c'est ça. Mais là, je sais pas quoi penser, par exemple, pour ça, là. Oh. Bon, mon chum est venu dîner. Puis ma soupe, elle avait pas de goût, là. Elle était. En tout cas, j'ai pas trippé. Fait que je sais pas si je vais acheter le reste ou mon chum va essayer de la. Je sais pas s'il va essayer de la. Pipé. Mais c'était pas terrible. Les quiches étaient bon, par exemple, les œufs à coque, tout ça. Même la tarte aux pommes réchauffée, j'ai pas capoté. Là, je vais me changer parce que j'ai vraiment chaud habillé comme ça. Je vous dis, on dirait une journée d'été. Mais là, alors, je vais aller en haut. En même temps, ben, je vais aller serrer du linge, aller faire le ménage, la tournée des chambres, les lits, puis je vais aller faire ça. Il est maintenant 2h. Là, je prépare le souper. Je fais tout un souper parce que mon chum arrive. Je veux que ça soit prêt, qu'on profite de notre soirée, qu'on aille marcher ou je sais pas quoi. Fait que là, je fais du rigatoni aux saucisses italiennes. Fait que là, je fais ça comme ça, Katia m'en a mangé, elle aime ça. Fait que je fais ça comme... Ben c'est ça, parce que on aura plus notre soirée. Puis je me suis changée, et en passant, je me suis mis une petite robe d'été, c'est pas drôle, hein? 12 octobre, j'étais en robe d'été. Fait que là, oignons, saucisses sont coupées, je vais faire revenir dans la poêle avec du beurre. Fait que là, mes pâtes sont en train de cuire. On prend les petites pernes, comme ça. On trouve que c'est meilleur. Puis ça, c'est ma sauce. J'ai fait revenir les oignons avec la saucisse. J'ai rajouté une canne de pâte tomate, la vinaigrette, tomate confite, comme ça. Puis après, on rajoute, on mélange avec les pâtes, dans le fond. Après, on rajoute du persil. Moi, je rajoute de la crème. C'est pas dans le recette, mais moi, j'aime ça pour Katia, c'est mieux aussi. C'est comme plus crémeux. Puis on rajoute du parmesan après. Mais moi, je mets tout ça à peu près. Je l'ai à recette, mais je fais ça à peu près à cette heure. Puis, je rajoute aussi du fromage, comme ça, cheddar, qui est encore plus de fromage. Ça non plus, pas dans la recette, là. C'est ça que ça donne la texture du rigatoni aux saucisses italiennes. Là, je sors arroser mes fleurs parce que oui, j'ai encore des belles fleurs. Et je vois une autre belle de jour! Regardez! Oh, que c'est beau! C'est la deuxième! Que c'est le fun, j'ai envoyé une photo à la femme, elle va être tellement contente! Une autre belle de jour! Qui vient de m'appeler, je suis rentrée sa galerie avec au téléphone avant que Mika et Katia reviennent. Puis là, ben c'est ça. Là, son petit lapin s'appelle Dora. Il dit hier, elle explorait plus, puis aujourd'hui, ben, elle est plus timide. Katia avait une super de belle journée. On dit qu'elle était en forme, elle marchait beaucoup, elle était intéressée à son cours de musique, elle a bien mangé.
Ça a super bien été sa journée, je suis contente. Lucas aussi a eu une belle journée. Est-ce qu'il y a eu deux cours d'édu? Est-ce qu'il y a eu deux cours d'édu? Fait que c'est ça, je vais vous montrer Katia un petit peu. Allô ma fille! T'es belle! T'es belle! Ouais! Oui, t'es belle, je t'aime! Je t'aime! Lucas est arrivé aussi. Ah ça là, ce kit là qu'il y a sur le dos, c'est Sonia qui a donné ça. Puis je trouve tellement que c'est beau là, les culottes et les pantalons. Puis là Sabrina s'en vient chercher parce qu'ils vont aller chez Nick voir le lapin. Ils vont y aller avant souper. Non, j'ai trop de Bogan, j'ai envie d'avoir essayé. Ah ouais? Moi j'avais fini Or Morel de Nance puis Battle Planet. Là j'ai regardé Morrison. Il l'avait sorti, ça fait quand même assez longtemps. Il l'avait pas en français. OK. Puis là, quand ils ont sorti les nouveaux épisodes de Game Morrison, les anciens. Ils ont mis en français. Okay. Les niveaux sont pas encore en français, mais je crois pas les écouter. Je vais d'abord écouter ça. Fait que là, Lucas est parti, ça va venir chercher. Là, il est 4h30. J'ai donné la médication à Katia, j'ai préparé son fils et Ragatani. Je vais essayer de la faire manger. Mais là, je prépare ses médicaments, puis là, j'étais là, il m'en reste plus beaucoup. Là, je commence à stresser, je vais regarder, je l'ai au moins pour demain matin. Là, oui, j'ai au moins une dose pour demain matin. Mais là, ça peut pas. J'avais appelé pour les commander la semaine passée. Puis là, je pensais que c'était jeudi. Là, je me dis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Là, on est mardi. Ça faisait quasiment. Ça faisait 5-6 jours, là. C'est comme là, ça se peut pas. Fait que là, j'appelle parce que t'as oublié de m'appeler quand que les médicaments seraient plus. Là, j'ai dit peut-être qu'ils ont oublié de m'appeler. Fait que là, j'appelle. Puis là, ben, c'est ça. Je sais pas trop quoi. Là, il y a eu un délai. Puis. Et là, j'ai pas de médicaments. Mais sauf que le pharmacien m'a rassuré, ils vont me faire une petite dose, ils vont les faire eux autres même pour une semaine. Ils vont me faire la préparation eux autres, pas une grosse quantité là, pour me dépanner. Fait que là, demain, par mon chum, qui allait chercher ça. Tu sais, c'est ça. Fait que là, j'étais stressée. La poupoune! Hello! Il est 5h15, on est en auto, on est venu au Tic Géant. Acheter du fromage à Cato, on n'avait plus. Puis des peanuts. Je réalise que c'était une semaine qu'on n'était pas venu au Tic Géant. Fait qu'on fait une semaine avec les sacs de fromage. Allô, Katou! Ouais! Puis elle a pas voulu manger. J'ai essayé de donner sur Gatoni, puis elle a pas voulu. Mais elle a bien pris ses médicaments. Ça a été correct. Ben, moi, en tout cas, on a déjà mangé. On a mangé le Gatoni, ça a déjà pris, fait que ça allait bien. On avait juste à réchauffer au micro-ondes. On a juste soupé. Puis là, ben, là, si on est venu au Tic Géant. Puis là, après, je sais pas si on prendrait de l'auto, on se risque d'aller marcher. Ah, il fait 24, voyons. Il fait 24 à 5h15. Encore, imaginez. Mais là, je suis vidée. Je sais pas pourquoi je suis vidée de même. Je sais pas si c'est le fait de demain que je rencontre. Je vais savoir la réponse pour concernant notre dossier. Ou le fait de la médication que là, tu sais, ça gossait. Je l'avais commandé, puis là, ils l'ont pas. Puis là, ben, tu sais, c'est un stress pareil. Ça, je repense à ça demain matin, là. Si, mettons, je donne dans son gobelet comme je fais d'habitude, mais là, elle prend pas. Puis là, finalement, il faut que je donne de force dans la seringue. Ben, j'en ai même pas. J'en aurais même plus pour les donner dans la seringue. De force. Ça, c'est juste pareil, là. Ah, ben, je suis Pierre. Comment va mon bébé? Ouais. Les câbles est encore chez Nick. Fait que, ben, c'est ça. C'est pour ça que je dépêche à prendre nos commissions avant qu'ils reviennent. Il va falloir qu'ils soupent, parce que lui, il n'aura pas soupé. Mais de toute façon, il ne mange pas sur Gatoni. Fait que, peut-être que les autres vont l'avoir fait de manger aussi, vraiment. Ah, fait qu'elle est sortie au courant. Mais là, je suis tombée vannée puis brûlée, là. Ça, je me mange dans l'énergie à aller marcher, c'est pas drôle. Oh la la! Bon, ben, il est rendu 8h. Là, Katia est couchée, j'ai donné une couche avec Lucas un peu, jasé. J'étais fière de Lucas parce que là, j'avais dit, moi, j'ai mon temps où une série du linge que j'avais plié, fermé les rideaux, allumé les lumières. Puis là, j'ai dit, là, je monte, mais j'ai dit, tu monteras à 7h30. Puis là, 7h29, on l'entend monter. J'étais fière, j'ai pas eu besoin de t'y rappeler. Puis... Fait que c'est pour ça, j'étais contente d'aller me coucher avec, puis j'en faisais avec. Là, c'est ça, Katia nous a fait un autre ciel, puis qu'elle en a fait deux à soir. Ça fait du bien aller marcher, ça, je voulais redire. J'avais pas d'énergie, je me sentais vidée, je voyais mal comment j'avais trouvé l'énergie pour aller marcher. Finalement, on est allé, puis après, j'étais tout pleine d'énergie, c'est pour dire, hein. Fait que... Ça, tu vois que ça fait du bien pareil faire de l'exercice. Puis après, on s'est bercé, ça a galéré, on est venu manger notre petit dessert et
Hey, c'est ça, j'ai oublié de vous dire, hier, quand t'es allé porter Pam, on a arrêté un dépanneur à faire pipi, puis ils vendaient des produits M&M. Les aliments M&M. Avant, on avait un dans notre ville, puis on aimait ça aller en chercher, mais là, ça fait plusieurs années qu'il s'est fermé, on n'a plus. Puis là, on voit ça dans les comptoirs, au dépanneur, qui vendait des desserts. Ils vendaient dont on aimait les bâtonnets de fromage, le riz. En tout cas, ils vendaient toutes sortes d'affaires. Mais là, on a décidé d'acheter un dessert. Là, je vous le montre demain, je vais essayer de vous passer, de vous le montrer. C'est comme un gâteau au chocolat. Avec du crémage au fromage. En tout cas, j'ai essayé de vous le montrer, mais c'était bon, là. On a mangé ça à la galerie, justement. Puis, Lucas, lui, est allé jouer au parc avec son ami. En tout cas, la soirée, elle a bien passé. Puis là, ben, il est 8h. Tout le monde est dans leurs affaires. Lucas est bien dans son lit. Katia est dans sa chambre. Moi, je vais m'évacher. Je vais checker tes affaires sur les réseaux sociaux. Puis, mon chum, il fait de la radio amateur. Fait que, ben, c'est ça. Fait qu'on se reparle. On se voit demain pour une autre journée. Puis, j'essaie de pas stresser. C'est vrai, j'essaie de pas stresser pour demain la rencontre. Je me dis, gars, je peux rien changer. On verra demain, ça va être quoi la réponse. Puis, on assumera. Fait que, là-dessus, je vous laisse. Je vous dis bye bye. À demain!